J'ai annoncé que les préservatifs seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de la prévention. C'est essentiel pour que nos jeunes se protègent lors de leur rapport sexuel. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir des mêmes contraintes financières. Alors je dis banco. Allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs. Et puis à côté de ça, je voulais vous dire qu'on va continuer le travail de prévention qui est essentiel pour notre ministère de la Santé et pour notre santé à tous. Et donc le dépistage du VIH est maintenant aussi gratuit. On va simplement élargir aussi le dépistage gratuit à d'autres pathologies, d'autres virus, parce que c'est aussi notre politique de prévention et on va continuer avec la Première ministre et le ministre dans les prochaines semaines à renforcer notre politique de prévention en santé. Des diagnostics et des dépistages réguliers aux grands âges de la vie, aller plus loin sur la vaccination face à certains virus, je pense au papillomavirus, où on veut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort pour les jeunes filles, les jeunes garçons, pour prévenir des cancers qui ensuite arrivent. Voilà, il y a plein de choses qu'on va faire, mais en tout cas, je voulais vous annoncer ça dès aujourd'hui.